Faut-il investir dans une liseuse pour faire des économies? Alors cette question peut paraître saugrenue, mais on va voir dans cette petite vidéo pourquoi acheter une liseuse telle que celle-ci ou une autre marque peut vous faire économiser de l'argent, surtout si vous lisez beaucoup. Mais avant tout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez cette vidéo. Et comme je le dis régulièrement, vous êtes très nombreux et très nombreuses à regarder les vidéos de cette chaîne sans être abonnés. Donc je vous invite à prendre une seconde ou deux pour vous abonner si vous appréciez les contenus que je fais. Donc maintenant, on va s'intéresser à cette question. Est-ce qu'investir dans une liseuse pour lire des livres ou des mangas peut vous faire économiser de l'argent? Donc cette question peut paraître totalement contre-intuitive, puisque une liseuse coûte un peu d'argent, donc nécessairement je vais avoir moins d'argent après avoir acheté la liseuse. Oui, mais il faut savoir que les livres électroniques que vous achetez et téléchargez sur votre liseuse coûtent moins cher que les exemplaires papier. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment faire le calcul pour savoir si on peut s'y retrouver et économiser de l'argent en lisant des e-books plutôt que des livres papier. Alors, en ce qui concerne les e-books, la première chose à prendre en compte, c'est que sur une liseuse, vous avez accès à une librairie, que ce soit la librairie Kindle, Kobo, Vivlio ou Bookin. Et dans cette librairie, vous avez énormément de livres qui sont gratuits, en particulier des livres qui sont des classiques de la littérature française et qui sont disponibles libres de droit. Je veux parler des livres, par exemple, de Victor Hugo ou de Jules Verne. Donc si ce type de littérature vous intéresse, vous avez tout intérêt à investir dans une liseuse, puisque ensuite les e-books seront gratuits. Mais on peut également s'interroger pour tout ce qui concerne les sorties récentes. Et pour ça, donc, j'ai fait une étude avec un tableau qui va comparer les prix entre les livres papier et les livres électroniques e-book pour tout simplement le top des ventes actuel. Donc on va regarder ce top des ventes ensemble. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes ces informations sur le site. Il y a des liens dans la description, un lien également qui mène à la newsletter et qui vous permet de vous inscrire. Et je vous envoie un email régulièrement lorsque je trouve des liseuses en promotion. Donc en ce moment, allez sur le site, il y a une liseuse en promotion et qui va sans doute vous intéresser si vous voulez investir dans une machine de lecture. Alors dans ce top, j'ai pris les 10 meilleures ventes actuelles. On a évidemment le livre de Michel Houellebecq, Anéantir. On a Les Fossoyeurs, qui est une enquête sur les EHPAD en France. On a La Santé devant soi, La Clé de votre énergie, Dieu, la science, l'épreuve. On a également du manga avec le tome 41 de Berserk. Donc ça, c'est une précommande. On a le classique qu'on trouve régulièrement dans le top des ventes, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc si ce n'est pas ce livre, c'est les 4 accords Toltec. On a un livre en auto-édition. Donc là, c'est un top que je sors d'Amazon. Donc c'est assez étonnant. Mais ça veut quand même dire que on peut avoir du succès en sortant son livre sans passer par un éditeur connu. Donc ce livre s'appelle Parce que tu es un garçon formidable. Et donc ce livre, il n'a pas de prix e-book parce qu'il n'est pas disponible en e-book. Et ça sera également le cas du deuxième titre, Organiseur familial mémoniaque, voilà, qui est un livre papier qui permet à la famille de s'organiser. Et on termine ce top 10 avec le tome 21 d'un manga, Demon Slayer, donc on trouve également régulièrement dans les meilleures ventes. Alors ce qu'on peut voir dans ce top des ventes, c'est qu'on a des livres qui sont des sorties récentes, donc disponibles autour à plus ou moins 20, 22, 23 euros, avec un prix quand même assez élevé de 26 euros pour le livre de Michel Houellebecq, puisque dans sa version papier, ce livre est fourni avec une couverture cartonnée. Et ensuite, dernière colonne, on a la différence de prix entre le prix de l'e-book et le prix du papier. Et on voit par exemple le livre de Michel Houellebecq, l'éditeur Flammarion, a fait un bon effort puisque l'e-book coûte 8 euros de moins que le prix du papier. Donc 8 euros, c'est pas rien. Ça vous permet de vous offrir un tome de manga, un voire deux e-books
de livres assez anciens qui sont édités au format papier dans un format poche, donc chez Le Livre de Poche ou chez Pocket. Tout ça pour dire qu'en moyenne, un e-book vous coûte 5,19 euros de moins que sa version papier. Donc, si vous deviez acheter l'ensemble du top 10 des meilleures ventes actuelles au format papier, ça vous coûterait 161 euros, tandis qu'au format numérique, ça ne vous coûterait que 92 euros. Donc, on va passer sur ce tableau. On voit qu'en moyenne, on va économiser à peu près 5 euros sur l'achat d'un livre si on privilégie la version numérique pour liseuse. Donc, c'est plutôt un bon prix. Il faut savoir que, en fonction des livres, évidemment, ce prix sera plus ou moins élevé. On voit que la différence de prix pour un manga qui est environ 6 ou 7 euros au format papier est plutôt de 2 euros. Donc, le manga numérique tourne autour des 4,50, 5 euros, tandis que la version papier, 7-8 euros. Mais bon, ça fait quand même des économies, surtout si on lit beaucoup. Alors maintenant, je me suis intéressé au nombre de livres qu'il faut lire pour rentabiliser une liseuse. Et pour ça, je vous ai fait un nouveau tableau qu'on va regarder ensemble. Et on voit que si on achète la Kindle de base, qui est la liseuse la moins chère, qui est disponible à 80 euros, on se retrouve à devoir acheter 15-16 livres avant d'avoir amorti sa Kindle. C'est-à-dire que c'est qu'au bout du 16e livre que vous économiserez de l'argent, que vous aurez économisé les 80 euros qui permettent de rembourser la liseuse Kindle. Pour la nouvelle Kindle Paperwhite, qui est une excellente machine, c'est un peu plus, ce sera 27 livres. Pour la Kindle Oasis, qui est très chère, une petite cinquantaine de livres, et ainsi de suite. Donc on voit que, en gros, il va falloir lire entre 20 et 30 livres pour amortir l'achat de sa liseuse. Donc la conclusion, elle est assez évidente. La première chose, c'est que si vous ne lisez pas beaucoup, si vous lisez qu'une dizaine de livres par an, vous n'allez pas économiser de l'argent en achetant une liseuse. Alors, ce n'est pas le seul argument pour les liseuses, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Les liseuses ont beaucoup d'autres avantages. On a le confort de lecture, le gain de place, etc. Mais pour ce qui est de l'aspect monétaire, voilà, il faudra lire entre 20 et 30 livres pour prétendre économiser de l'argent et commencer à lire moins cher. Et donc, c'est vraiment pour ça que je ne recommande que très rarement les liseuses qui coûtent plus de 200 euros aujourd'hui, puisqu'il va vous falloir lire 40-50 livres avant d'amortir le prix de la liseuse, c'est-à-dire avant que vos économies effectuées sur l'achat, en achetant un livre numérique par rapport à un livre papier, vous permettent de rembourser l'achat de la liseuse. Et donc, ça convient parfaitement si vous lisez une cinquantaine de livres par an, ou même 25-30 livres par an, puisqu'il vous faut 2 ans pour amortir une liseuse. Et moi, j'ai des liseuses depuis 5-6 ans qui fonctionnent toujours très bien. Mais je pense que pour la majorité des lecteurs et des lectrices, ce sont des liseuses qui sont simplement trop chères. Mais pour répondre à la question, faut-il investir dans une liseuse pour économiser de l'argent? Je vais vous dire oui. Si vous lisez une vingtaine de livres par an, et là, vous allez voir que vous allez rapidement faire des économies lorsque vous lisez, en particulier si vous achetez des nouveautés, si vous vous jetez sur les nouvelles sorties, si vous dévorez la rentrée numérique, si vous adorez tous les romans qui ont eu des prix, le Goncourt, le Médicis, le prix Femina, etc. Là, vous allez vraiment économiser de l'argent très rapidement. Si vous achetez une liseuse, et vous allez même rembourser en quelques mois l'achat de votre liseuse sans problème. Donc, si vous voulez vous offrir une liseuse pour économiser de l'argent, n'hésitez pas à aller voir soit les liens dans la description, j'ai mis un lien vers le guide des meilleures liseuses, soit simplement aller regarder les vidéos, tous les tests sur les liseuses que j'ai fait et tous mes guides qui vous permettent de trouver la meilleure liseuse.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.